DJ, put a nigga back to the record, baby, and give me this right now. C'est mon synthétiseur. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit gameplay sur Arzan Sadafar ou S12. Donc, je précise juste, j'ai fait une magnifique partie avec un score énorme. Avec un. Bah, au chat, je ne vais pas vous gâcher tout le gameplay, hein, vous allez voir. En étant au S12, je reprécise juste. Donc, actuellement. On est jeudi 5 novembre. J'ai une nouvelle annonce sur le téléphone de Colas. Black Ops 3 sort ce soir. Actuellement, Black Ops 3 là, va sortir dans 9 heures. Moi, je l'attends là, de toute façon. Donc, je pense que ce soir, du coup, je vais essayer le gameplay. Normalement, vous sera là avant le jeu. Vers 20h30, 20h15. Que je sors à 20h le temps que j'aille le chercher, etc. En plus, je serai en compte après, je serai avec l'édition à 200 euros. Hein. J'aurai le petit trio zombie. Et du coup, je ferai un live sur Black Ops 3 pour ma première partie, etc. Donc là, je vais aussi vous parler du coup de Black Ops 3 concernant les maps zombies. Etc. Enfin, le multijoueur, tout ça. Donc, avant, il y avait une rumeur qui passait, soi-disant qu'en multijoueur. Donc, ça, c'est une de mes rumeurs qui m'a vraiment intéressé. Mais malheureusement, qui était fausse. La rumeur était qu'on pourrait faire du 32 contre 2 contre 32. Bon, je sais même pas pourquoi j'ai douté. C'est simplement impossible que les maps ne génèrent pas. Peuvent pas gérer 32 spawns. Après, faut voir si à la place, j'ai envie de dire. Mais personnellement, les maps, c'est sûr. Je vais aller spawn, ça serait pire que du spawn kill. J'ai quand même général, il y a un peu de spawn, 30. Et quand je vous dis 32, hein, c'est 32 dans chaque équipe. Hein. Imaginez. Sur ça, le minimap. Putain. Il y a spawn kill là. Du coup, ça, c'est une rumeur fausse. Ça, ils l'ont pas annoncé officiellement, mais il y avait des rumeurs sur les modeurs qui avaient trouvé ce mode, etc. Et aussi, je voulais aussi vous parler. Et du coup, ce sera peut-être soit du 7 contre 16. Encore ça, j'ai du mal à imaginer prendre 2 heures dans une map. Ou alors, ça sera du 8 contre 8 au max. Ça m'étonnerait largement, moi, vous voyez. Hop, donc là, ça, je suis mort. J'étais en série de 25. La plus grosse série arrive après. Hein. Je suis juste un peu déçu d'avoir pas mis à 30 kills. J'ai ragé. J'étais même un peu vénère. Mais bon, après voilà quoi. Et du coup, je vais parler des maps du mode zombie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je crois que vous en avez déjà parlé dans une vidéo. Mais cette fois, j'essaie de mieux vous l'expliquer parce que la dernière fois, je l'ai pas très bien expliqué. Donc, les maps zombies, ce sont, elles sont construites comme celles de God of War. Donc c'est à dire ouais, c'est la même génération des maps que God of War. Donc je fais un exemple, par exemple la légendaire map Newton, elle est rectangulaire, vous voyez, ah bien d'accord, enfin elle est rectangulaire à part un peu sur le côté et après ça voilà quoi. Et bah imaginons la map par exemple de Black Ops 1 elle était rectangulaire, quand ils l'ont réadapté pour Black Ops 2 elle était encore rectangulaire, et pour Black Ops 3 là elle sera encore rectangulaire. Donc par exemple pour les maps du mode zombie, elles seront toutes comme God of War. Donc par exemple pour God of War, on va dire si elle était d'un côté triangulaire, à moitié ronde, bah les maps elles seront adaptées pareil, la même forme. Bon après ce sera différent la map, elle sera aménagée totalement différent, il y aura des... ça sera totalement différent la map, c'est juste la forme, le contour en fait, les sorties de map. Sans la map, on va dire, peut-être que sur God of War il y avait... la statue de liberté, mais la map, on dit n'importe quoi.
Bah sur ça me comme français mais c'est vrai. Je suis même sûr que non. Quoi que je pense que ce serait cap, non. Bon. Dire que je suis étonné que c'était du Mergame, mais ils aient pas sorti, je sais pas. Un truc peut-être de citrouille ou exo fantôme. Ah, bon voilà, comme je suis déjà du Mergame. Je veux pas dire mais bon. C'est un peu voilà quoi. C'est un peu nous qui buvons et qui sont bourrés. Aussi en mode zombie, d'après ce qui paraît, on n'aura pas les jetpacks. Du coup ça sera ça c'est bien. Ce sera un mode zombie comme l'ancienne, comme Black Ops 1, comme Black Ops 2, comme God of War, comme ce que vous voulez en fait. Du coup ça je trouve c'est bien, ça met un peu la pression genre. Je vais dire putain on a tous les zombies sur nous, on est foutus. Ticket. Donc là je suis à 44 kills, 5 morts. Donc c'est une de mes plus belles parties celle-là. Ça il faut la mettre. Je pense que ça sera la ma dernière vidéo sur Advanced Warfare. Ou la avant-dernière. Après il y en a une où j'ai fait 82 kills. J'avais pas eu de grandes tirées par contre. J'ai fait que des petites séries de 5 quasiment. En fait là le problème, enfin. Si vous voulez faire des bonnes séries en fait. L'astuce c'est pour que les ennemis soient visibles. Genre quand je vous dis visibles, qu'on les voit sur le radar. Donc les drones, qui jouent pas en profil bas, genre j'ai des pare-balles, des trucs comme ça. Qui jouent genre en poids plume, pour comme moi par exemple. Tout ça faire. Là vous voyez, clairement tout le monde est visible. Du coup, mon radar aussi fait des kills et moi aussi je les vois à travers les murs, etc. Bon après il y a eu peut-être que quelques volages de kills. Normalement j'étais censé faire la plus de 30 kills. À la première mi-temps, si on les aurait pas volé, mais ça va. Hein. J'aurais pu me mettre à double imbattable. Attends, il pense comme ça dans une game. Ouais, dis hein. Bon, après, je comprends pas pourquoi on dit que le réseau c'est une vieille arme. Moi, personnellement, j'aime assez. Bon. Après, je pense que c'est pas la meilleure non plus. J'aurais plus pensé vers le TAC 19 aussi. Hein. Le TAC 19 pour les séries, c'est bien. Le réseau c'est plus genre troll. Enfin, non, pas troll. Je te jure, je fonce dans le tas pour faire des kills alignés. Mais sinon, niveau portée, voilà quoi. Il est un pas chier. Je te donne moyennement la map, elle est assez galère. C'est pour ça que j'essaie d'éviter les double jump, etc. Parce que j'allais me mettre en l'air. Le jeu stratégique. Du coup, j'ai été le plus ennemi possible. En pensant, vous voyez que j'ai jamais les niveaux. Je faisais 4 niveaux, je crois. Sur le game, j'étais 38. En plus il y avait double XP, bon ok ça m'a aidé. Bon. Et là, boum, plus de 30 kills. Bon là on va pas tarder à casser ma série. Là regarde ces trucs con qui arrivent. Putain. Là, il m'a un peu sauvé la vie sur ce coup là. Là il y a le truc qui est en retard, moi j'avais pas vu ma série 30 kills. J'avais pas fait attention. Ça c'est kill là, du coup j'ai oublié, j'avais plus là. Et là boum, j'ai vu le truc, ça m'a affiché après le truc plus de 30 kills. Je sais pas si t'as déjà affiché imbattable là. Là je crois que j'ai tenté 30. Imbattable. Là je me suis dit pourquoi il n'y a pas d'imbattable, j'ai pas tout compris mais. Après là il aurait pas mis son warbear, j'aurais fait une direct 40. Regardez. Tout qui avec le warbear c'est ça qui me vole on va dire. En plus ils enchaînent bien. Bon après hein. Rien dire c'est un peu ça de jeu en ligne hein. Là on va pas tarder à casser la série. Avec un petit écrasement et shot. C'est le passage de kill de la série. Par contre, le kill game je vous ai appelé mais franchement le kill était moche. Extrêmement moche. Totalement raté. Et le mec qui m'a un écrasement au sol. Limite il me crache dessus, je meurs, tu vois. Ah si j'aurais lui aussi j'aurais mis tard, c'est méchant. Du coup aussi je voulais vous parler vite fait sur Black Ops 3 d'un mode spécial donc asseyez-vous bien où l'objectif sera pas de se tuer donc ça change je trouve pour un Call of parce que voilà quoi Call of c'est un peu genre un mode où faut se tuer enfin un jeu où faut se tuer c'est un peu le but en fait j'ai envie de dire et il y a un mode genre où ça sera une vitesse de déplacement faudra se déplacer le plus rapidement possible et le mieux. Et genre tu gagnes et puis on gagnera des trucs, des trucs comme ça. Ça va changer un peu je trouve. Moi perso vous pouvez remarquer, je sais pas si vous voyez mais dans mes déplacements je me déplace plutôt extrêmement vite.
Et là, j'ai fait la double en client final. Du coup, je disais, je me déplace extrêmement vite. Bon, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez un petit like, ça me fera vraiment très plaisir. Avant de se quitter, je dis à ce soir pour ceux qui regarderont mon live sur Black Ops 3. Allez, salut tout le monde!